Cher Carambolage, c'est avec un sentiment de curiosité, mais aussi de mécontentement, que je me permets de vous écrire pour avoir une réponse à la question qui nous a hantés tout au long de notre séjour à Berlin. 7 Français avides de culture se rendent à Berlin pour y découvrir ses trésors tant historiques et culturels que gastronomiques. Après des déambulations éreintantes autour d'Alexanderplatz, du Bundestag ou de la Bernauer Straße, notre appétit de Gaulois nous conduit vers une excellente Eckkneipe conseillée par notre guide. Bières en tout genre, Eisbein et Currywurst régalent nos papilles. Mais assoiffés que nous sommes, il nous est impossible d'étancher notre soif avec nos seules bières. On dit en France, un verre ça va, deux bonjour les dégâts. Nous demandons alors une carafe d'eau pour nous 7. Je sors mon meilleur allemand pour demander de l'eau du robinet, s'il vous plaît. Wasser aus dem Wasserhahn, bitte. La serveuse nous répond que c'est impossible et ne donne aucune explication. Cependant, en face de notre table, un couple d'Allemands profite, lui, d'une carafe d'eau. Je me dis que mon Allemand balbutiant n'a pas été compris. Je fais revenir la serveuse, je lui montre la carafe et je demande à avoir la même chose. Elle me répond à nouveau que ce n'est pas possible et que la carafe est réservée aux habitués. Ce scénario s'est reproduit à l'identique dans différents restaurants. La carafe semble réservée à quelques privilégiés. Pour les touristes, c'est verboten, interdit. Pourquoi le touriste n'a-t-il pas droit à une carafe d'eau en mangeant sa currywurst ? Cordialement, Anne, Marielle, Armel, Monique, Christophe, Jean-Pierre, Gérard. La réponse de la rédaction de Carambolage. Eh oui, c'est comme ça, chaque pays a ses propres mœurs. En Allemagne, dans la restauration, nul n'est tenu de servir gratuitement de l'eau du robinet. Libre au restaurateur de fixer lui-même le prix du verre ou de la carafe d'eau s'il vous la sert quand même. C'est que l'on considère que le service rendu, le coût du personnel, sont beaucoup plus élevés que le simple prix de l'eau. Mais de là à refuser la carafe aux touristes tout en la proposant aux habitués, c'est carrément choquant, vous avez raison. En France, la loi fait la différence entre restaurant et simple débit de boisson. Au restaurant, la carafe est obligatoirement gratuite au même titre que le pain, le couvert, le sel, le poivre, etc. Dans un café, par contre, le tenancier ne peut vous faire payer le verre d'eau que s'il en a inscrit le prix à l'intérieur et à l'extérieur de son établissement. Dans la pratique, on vous refusera très très rarement un verre d'eau gratuit. En la matière, l'Allemagne ferait peut-être bien de s'inspirer de la législation française.